Le 21 février 2024, Missak et Mélanie Manouchian entreront au Panthéon. À travers ces deux grandes figures de la résistance, il est juste de considérer que cette entrée est aussi celle de tous les membres du groupe Manouchian, des fusillés de l'affiche rouge et des FTP-MOI. Auprès des plus illustres personnages qui ont marqué l'histoire de notre nation, c'est un véritable hommage qui est rendu à ces étrangers qui, pendant les obscures années de la Seconde Guerre mondiale, ont embrassé les valeurs de notre République, ont pris les armes pour défendre leur pays de préférence, allant pour certains jusqu'à l'ultime sacrifice, mort pour la France. Depuis 80 ans, la mémoire du groupe Manouchian se conjugue au présent et traverse toutes les époques. Aujourd'hui encore, elle est en mesure d'apporter des éléments ou des réponses à nos questions sociétales, à nos doutes, à nos craintes et à nos espérances. Qu'il est bon de rappeler le rôle capital et la combativité des femmes dans la résistance et dans la libération de la France, à l'heure d'un combat juste et nécessaire pour leur place dans notre société. Qu'il est bon de rappeler l'engagement, la force et la bravoure de ces étrangers, à l'heure où leur présence sur notre sol est plus que jamais contestée. Acquise en 1944, cette mémoire est avec raison caractérisée par cette affiche rouge. Mais elle est cependant bien plus qu'une simple planche de papier jadis placardée sur les murs de nos villes. La mémoire du groupe Manouchian est une histoire réelle, riche de faits incontestables, de symboles puissants et de valeurs fortes. Missak, Mélanie, le groupe Manouchian. L'arrivée en France de Missak Manouchian et de Mélanie Assadourian n'est pas le fruit du hasard. Pour la comprendre, il faut se replonger dans le contexte historique des années 1920. Car à l'issue de la Grande Guerre, le pays manque cruellement de main-d'œuvre, alors même que le redressement de son économie, durement touché par le précédent conflit, est une priorité. C'est dans ce contexte que des dizaines de milliers d'orphelins arméniens arrivent par le sud du pays. La période de la Première Guerre mondiale coïncide aussi avec le début de la chute de l'Empire ottoman. Pour tenter de le sauver, le mouvement nationaliste des jeunes Turcs, alors au pouvoir d'une dictature imposée par la terreur, décide d'adopter pour projet la fondation d'un immense empire turc. Celui-ci ambitionne d'unir l'ensemble des peuples turcophones du Caucase et de l'Asie centrale. Toutes les minorités ethniques doivent alors être assimilées par la force. C'est le cas du peuple arménien, un véritable obstacle à la bonne réalisation du projet gouvernemental. Le génocide des Arméniens débute le 24 avril 1915. Rafles, déportations, assassinats de masse, esclavagisme, viol. Il se poursuit ainsi jusqu'en 1923. Sur une population initiale de plus de 2 millions d'individus, environ 1,5 million d'Arméniens trouve la mort au cours de cette période. Le reste est alors forcé de se convertir à l'islam ou bien de trouver refuge à l'étranger. Au recensement de 1927, les Arméniens ne sont plus que 67 000 dans la nouvelle Turquie, née sur les ruines de l'Empire ottoman. Les historiens estiment à environ 600 à 800 000 rescapés de ce génocide. Ils sont essentiellement ceux qui sont parvenus à fuir vers le Caucase, la Palestine ou le Liban, ou bien des femmes et des enfants qui ont été cachés par des familles turques, arabes ou kurdes. Quoi qu'il en soit, les Arméniens sont désormais condamnés à un exil de leur terre d'origine et à une errance presque sans fin. Les États-Unis, les Balkans et le Moyen-Orient deviennent alors les principaux lieux de refuge de ces centaines de milliers de survivants, dans lesquels se trouvent plus de 200 000 orphelins. Missak et Mélanie sont de ceux-là. De par leur jeunes âges, les souvenirs d'enfance des deux futurs héros de la résistance, hormis ceux de la survie et des orphelinats, restent et resteront flous. Mélanie est née le 13 novembre 1913, à Constantinople, de parents fonctionnaires.
Une seule année la sépare de sa sœur aînée, Armen. Lorsqu'éclate le génocide des Arméniens, durant lequel son père et sa mère sont massacrés, elle n'est alors âgée que de 2 ans. Avec sa sœur, elle est recueillie par une association humanitaire, puis placée dans un orphelinat en Grèce. Missak Manouchian, quatrième et dernier enfant d'une famille de paysans, est né le 1er septembre 1906 à Adıyaman, dans la province de Mamouret-Oulaziz, de l'Empire ottoman, au sud de l'actuelle Turquie et au nord de la frontière syrienne. Son père est tué alors qu'il prend part à la résistance armée. Sa mère trouve la mort au cours de sa déportation. Lui et son frère Garabed sont sauvés par une famille kurde, puis par la suite placés dans un orphelinat au Liban. À l'issue de la Première Guerre mondiale, la France fait face à une véritable pénurie de main-d'œuvre. La Syrie et le Liban, sous mandat français, deviennent alors une ressource pour combler la problématique des postes vacants. C'est ainsi que des recruteurs parcourent, offrent d'avenir inespéré sous le manteau, les camps de réfugiés arméniens. Dès lors, ils sont entre 60 et 65 000 à rejoindre Marseille à partir de l'année 1923. Si certains sont envoyés dans les principaux bassins industriels et miniers de la cité phocéenne, d'autres voyagent encore jusqu'à Saint-Étienne, Lyon, Grenoble et même jusqu'en région parisienne. Cette nouvelle et indispensable main-d'œuvre arménienne est alors dirigée vers les secteurs en plein essor comme la métallurgie ou la construction automobile. Cependant, les métiers de l'artisanat, tels que le commerce ou la coiffure, représentent bien d'autres opportunités. Passant par l'école ou le travail, c'est un véritable parcours d'intégration qui débute alors. Missak Manouchian arrive à Marseille le 16 septembre 1924. Il y retrouve notamment son frère, Garabed. À la Seyne-sur-Mer, les deux émigrés sont embauchés par la Société des Forges et Chantiers Méditerranée, le plus grand constructeur maritime français de l'époque, pour leurs compétences en menuiserie, acquises à l'orphelinat. Méliné arrive en France plus tardivement, en 1926, avec sa sœur Armen, grâce au soutien d'un comité américain. À peine un an plus tard, les deux frères Manouchian quittent le sud de la France pour rejoindre la capitale où ils s'établissent au numéro 11 de la rue Fizeau, dans le 15e arrondissement. Missak travaille à Issy-les-Moulineaux, employé par l'usine Gévelot de la Société française des munitions. Au printemps suivant, il doit cependant faire face à une nouvelle épreuve de la vie. Son frère, Garabed, meurt de la tuberculose, maladie précédemment contractée au Liban. Scolarisé à Marseille depuis son arrivée, Méliné rejoint la région parisienne en 1929. Pendant 2 ans, elle poursuit ses études à Rancy, où elle entreprend une formation de secrétaire comptable et de sténodactylo. C'est également à Paris qu'elle rencontre la famille Aznavourian, famille qui lui sera d'une grande aide pendant la guerre et dont elle restera intimement proche jusqu'à la fin de sa vie. Désormais seule, c'est une nouvelle forme d'errance qui guette Missak Manouchian, celle de l'errance professionnelle. Car pour tenter de faire face aux difficultés provoquées par la crise économique de 1929, le gouvernement français impose désormais un quota d'étrangers employés par les industriels du pays. De fait, les Arméniens, comme d'autres travailleurs, ne sont spécifiquement plus les bienvenus, et beaucoup perdent leur emploi. Jusqu'à l'automne 1933, Missak Manouchian change à plusieurs reprises d'adresse. Ces changements sont vraisemblablement liés à son inévitable instabilité professionnelle. S'il enchaîne plusieurs expériences dans la menuiserie ou la mécanique, il connaît également des périodes de chômage. Bien qu'il affirme vouloir faire son service militaire et définitivement s'installer en France, c'est à cause de ces périodes non travaillées que sa première demande de naturalisation, formulée le 1er août 1933, lui sera refusé. En attendant, ces périodes chômées ne signifient certainement pas une perte de temps pour le jeune Arménien, bien au contraire. Car Manouchian, sportif accompli, est aussi un homme assoiffé de découvertes et de connaissances.
C'est d'ailleurs avec certitude qu'il souhaite davantage orienter sa carrière professionnelle vers les métiers de l'écriture. Si son affection pour son pays d'accueil ne fait déjà plus de doute, il en va de même pour sa culture. Place du Panthéon, l'homme ne compte pas ses heures passées à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Rapidement, il commence à rédiger de courts textes en arménien, tout en se spécialisant de manière certaine vers la poésie, l'une de ses plus grandes passions, en traduisant notamment des poèmes français dans sa langue d'origine. C'est cet attachement à la littérature et à l'écriture qui bientôt lui vaut la sympathie intellectuelle arménienne de la capitale et qui, indirectement, le rapprochera aussi des mouvements communistes. En juillet 1930, il est même le cofondateur de la revue littéraire Chank, un mensuel de 15 pages rédigé en arménien et qui paraît pendant un an. Le 6 février 1934, éclate à Paris une manifestation anti-parlementaire sans précédent, organisée par les principaux mouvements nationalistes tels que les royalistes d'Action française, Croix de Feu ou encore francistes. La situation dégénère et la police ouvre le feu. Bilan, 30 morts et plus de 2000 blessés. La République vacille. Face au péril fasciste, soudainement mis en lumière et interprété ainsi, Missak Manouchian, lui-même survivant du mouvement nationaliste des jeunes turcs, participe aux contre-manifestations antifascistes des 9 et 12 février suivants, avant d'adhérer au PCF, le Parti communiste français. Grâce à son parcours de jeune éditorialiste, il est dirigé vers le HOK, le comité d'aide à l'Arménie, dans lequel on lui confie la rédaction de l'hebdomadaire Zangou. Il s'avère que Méliné, âgée de 21 ans, est justement une militante dévouée du HOK. Installée auprès Saint-Gervais, elle commence alors à côtoyer quotidiennement le jeune Missak dans les bureaux du 9 rue Bourdaloue. Formant désormais un couple dont le mariage est célébré le 22 février 1936, ils s'installent ensemble rue des Plantes. En 1936, justement, et après la victoire du Front populaire, le HOK réoriente ses actions au sein de la branche MOI, la main-d'œuvre immigrée du Parti communiste français, une sorte d'organisation syndicale. Outre la défense de la main-d'œuvre étrangère en France, la MOI montre clairement son attachement à la République et à la lutte antifasciste, en affichant ouvertement son soutien aux républicains espagnols qui doivent se battre contre les forces nationalistes du général Franco. C'est dans une Allemagne tiraillée et mise à bout de souffle par la crise économique de 1929, qu'arriva ce qu'aucun observateur politique lucide pour l'époque n'avait réellement jugé possible. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler arrive légalement au pouvoir. Comment celui qui, jusqu'à ses 30 ans, n'était que l'ombre de lui-même, allait réussir à rassembler autant, au point d'en électriser les foules et de manipuler les plus grands dirigeants d'Europe ? Comment celui qui, sans aucune expérience du commandement militaire, allait parvenir à s'emparer de la quasi-totalité du continent européen, avant de le plonger, avec l'Allemagne elle-même, dans un gouffre sans fond. Quoi qu'il en soit, à la fin des années 30, il ne fait plus aucun doute que la guerre frappera une nouvelle fois le vieux continent. C'est au lendemain du 23 août 1939 que se concrétise réellement et subitement celle que l'on appellera bientôt la Seconde Guerre mondiale. Désormais, l'Allemagne peut librement attaquer à l'ouest sans craindre de représailles à l'est. Stupéfaction du côté des démocraties, malaise immense au sein du Parti communiste français, qui s'inscrit pourtant véritablement dans un combat antifasciste et anti-nazi. Je sais combien le peuple allemand aime son Führer. C'est pourquoi je voudrais boire à sa santé. Tels sont les mots de Joseph Staline après la signature du pacte germano-soviétique. En France, les communistes sont pointés du doigt. Missak Manouchian, lui, comme d'autres militants, ne croit pas en la véracité de ce pacte. Il est convaincu qu'Hitler attaquera l'URSS un jour ou l'autre.
Aussi, son combat contre les nazis n'en demeure pas moins sa priorité, mais aux yeux du gouvernement et de l'opinion générale, le mal est fait. Le parti communiste est supposé complice. Pour autant, et avant même ce revirement de situation pour le moins inattendu, l'anticommunisme, lui, avait déjà refait surface, propulsé par la montée du nazisme et des tensions en Europe. C'est dans ce contexte qu'en 1938, le HOK, devenu l'Union Populaire Franco-Arménienne, attirait déjà l'attention des renseignements généraux. Car l'Union Populaire Franco-Arménienne étant associée au Parti communiste français, lui-même directement associé aux décisions prises par Moscou, il est évident que le pacte germano-soviétique ne fait qu'envenimer une situation déjà bien délicate. Misak Manouchian et bien d'autres membres de son entourage devient alors la cible de plusieurs décrets promulgués par le gouvernement français, prévoyant notamment l'internement des étrangers dits « indésirables ». Le 2 septembre 1939, arrêté par la police, il se retrouve derrière les barreaux de la prison de la Santé. Faute de charges réelles contre lui, il est néanmoins relâché le mois suivant. Pour autant, cet événement ne le détourne pas de son amour pour la France. À sa sortie de prison, Misak signe même un acte d'engagement volontaire pour rejoindre l'armée. Et c'est donc sous l'uniforme du soldat français que l'Arménien d'origine reformule une demande de naturalisation. S'il fournit cette fois-ci les avis favorables du commandant de son détachement, la suite des événements ne lui permettront pas d'obtenir une réponse. Le 22 juin 1940, dans la clairière de Retonde, la défaite française est officiellement actée. La France et l'Allemagne viennent de signer un armistice au terme d'une période qui restera inscrite dans l'histoire comme étant celle d'une véritable débâcle militaire. C'est à Vichy que le gouvernement du maréchal Pétain s'installe et fait le choix de la collaboration avec le Troisième Reich nazi. Dès lors, les étrangers, les juifs, les communistes ou encore les francs-maçons entrent dans le viseur de l'État français. Mais face à un occupant incontestablement vorace, brutal et sans aucune pitié, la résistance, intérieure comme extérieure, commence à s'organiser. Le 22 juin 1941, Hitler lance l'opération Barbarossa et envoie plus de 3 millions de ses soldats à l'assaut de l'URSS. Ainsi sonne la rupture du pacte germano-soviétique. De son côté, Vichy rompt ses relations diplomatiques avec le régime stalinien. Dans la foulée est créée la Légion des volontaires français, dont l'objectif n'est autre que d'envoyer des hommes se battre aux côtés des Allemands sur le front de l'Est. Mais en France, et peu avant cette nouvelle offensive, le PCF, interdit depuis le mois de septembre 1939, avait déjà fixé la libération du pays comme son principal objectif. Car, de manière clandestine, ces activités se poursuivent bien et elles inquiètent de plus en plus les Allemands. Craignant pour la sécurité de ses troupes d'occupation, le Reich exige alors du gouvernement français l'internement sans aucune exception de tous les ressortissants soviétiques et des communistes. Pourtant apatride, Misak Manouchian est, aux yeux du régime de Vichy et des nazis, considéré comme un citoyen de l'Arménie soviétique. Par conséquent, il devient donc un ressortissant d'une puissance ennemie, d'autant plus que ses activités d'avant-guerre le présentent inévitablement comme sympathisant communiste. Le 26 juin 1941, il est arrêté et interné au camp de Royallieu, à Compiègne. Mais aucune charge n'ayant une nouvelle fois été retenue contre lui, Misak Manouchian est libéré après 77 dures journées de captivité. Désireux d'intégrer la résistance et selon plusieurs témoignages, il reprendrait contact avec ses camarades d'avant-guerre tout en regagnant Paris. À cette période, le Parti communiste français vient de passer un nouveau cap. Depuis le mois d'août, il s'est engagé dans une véritable lutte armée contre l'occupant nazi. Si quelques vérifications s'imposent, notamment sur les conditions et les raisons de sa libération, sa requête est acceptée. Misak Manouchian entre officiellement en résistance. Chut.
Dès le printemps 1942, les étrangers de la MOI sont déjà un certain nombre à s'être engagés dans les premiers groupes de francs-tireurs et partisans, mouvement de résistance intérieure créé par le PCF. Leur principal objectif, déstabiliser l'occupant en menant des actions de guérilla urbaine. C'est ce qu'il se passe dans certaines grandes villes comme à Lyon, Grenoble, Marseille, Toulouse et bien entendu Paris. Dans la région de cette dernière, Missak prend naturellement, et pour l'heure, la direction du groupe arménien de la MOI. Les FTP MOI de la région parisienne s'organisent autour de 4 détachements, plus ou moins créés en fonction des groupes de langue de leurs membres, ainsi que d'une équipe chargée d'opérations dites spéciales. Tous sont placés sous le commandement de Boris Holban, juif d'origine roumaine. Le premier détachement est essentiellement constitué de Roumains, de Tchécoslovaques, de Bulgares et d'Arméniens. C'est le détachement qu'intégrera Missak en 1943. Car l'un des objectifs de la MOI est de fournir 10% de ses effectifs à la branche combattante des FTP MOI. Le second détachement compte majoritairement des juifs polonais, alors que le troisième résonne davantage italien. Le quatrième détachement est lui orienté dans des actions de déraillement de train. Ces actions s'étendent dans un large périmètre, jusqu'à une centaine de kilomètres autour de Paris. Enfin, l'équipe spéciale, chargée des exécutions des hauts gradés, est plus hétéroclite. On y trouve en effet des Espagnols, des Polonais, des Italiens, mais aussi des Allemands. Dans cette organisation, mais comme dans d'autres mouvements de résistance, le rôle des femmes est primordial, pour ne pas dire capital. Pour l'essentiel, ce sont souvent elles qui sont chargées du transport des armes et des munitions. Elles sont des agents de liaison, mais aussi des secrétaires assidus. Rédaction des comptes rendus, gestion des tableaux des effectifs, rédaction et distribution des tracts de propagande. Au sein du service de renseignement, sous la responsabilité de Christina Boyko, ce sont souvent elles qui ont la lourde tâche de repérer et d'identifier les futures cibles. Pour faire simple, leurs rôles, aussi variés soient-ils, sont non seulement aussi importants que ceux majoritairement exercés par les hommes, mais au caractère tout aussi dangereux. D'ailleurs, plusieurs dizaines d'entre elles seront arrêtées par la police française. Lorsque Méliné Manouchian intégrera à son tour les FTP MOI, nommée au poste de secrétaire de direction, elle se chargera, entre autres, de la propagande et de la contre-propagande en tapant des tracts souvent distribués de ses propres mains. Olga Bansik, figure incontournable du groupe Manouchian et à qui les Allemands réserveront un sort spécifiquement cruel, est chargée de l'assemblage des bombes et de leur transport. Tout au long des actions menées par les FTP MOI de la région parisienne, c'est souvent elle qui fait passer les armes. Dans ce milieu, les arrestations sont hélas monnaie courante. C'est ce qui explique, en partie, la montée fulgurante de Missak au sein de cette organisation qu'il intègre en février 1943. Son premier fait d'armes a d'ailleurs lieu le 17 mars suivant, à Levallois-Perret, lorsqu'il jette une grenade, transmise par Olga Bansik, sur un groupe de soldats allemands. À l'été suivant, au cours du mois de juillet, il remplace le responsable technique de la direction centrale du mouvement, lui aussi arrêté par la police. Missak œuvre donc aux côtés d'Holban pendant un très bref moment, car, exfiltré dès le mois suivant en province pour des questions de sécurité, c'est alors Manouchian qui le remplace. Ainsi, le survivant du génocide des Arméniens, arrivé en France 10 ans plus tôt, est désormais à la tête des FTP MOI de la région parisienne. À Paris et dans sa proche banlieue, la répression est incontestablement plus forte qu'ailleurs. C'est probablement pour cette raison que les combattants de Manouchian sont pratiquement les seuls à mener une véritable lutte armée contre l'occupant. Même avec un nombre d'hommes et de femmes pourtant très limité, les données font tout de même état de 229 actions de plus ou moins grande envergure menées entre juillet 1942 et novembre 1943. Pour la période de commandement de Missak, c'est-à-dire d'août à novembre 1943, on dénombre une soixantaine d'actions pour une quarantaine d'ennemis tués. Un chiffre important compte tenu d'un effectif composé de seulement 65 FTP MOI à l'été 1943. Attaques armées, déraillements de trains, incendies, vols. Pour les Allemands, la fréquence des actions est difficilement acceptable. Il se passe quelque chose tous les 2 ou 3 jours.
À travers ces actions, et malgré des moyens fort importants, la sécurité des troupes d'occupation n'est donc de fait pas ou plus assurée. Le 28 septembre 1943 a lieu l'action qui restera comme étant la plus retentissante. Le SS Julius Ritter, responsable du service du travail obligatoire en France, est assassiné. Hitler enrage. L'assassinat de ce haut cadre de l'appareil nazi est de très près comparé à celui du SS Reinhard Heydrich. Ajouté aux autres coups portés aux Allemands, ces actes courageux ont un impact non négligeable aux yeux de l'opinion française. Ils prouvent que, malgré la très forte propagande allemande et vichyste, la résistance lutte bel et bien contre l'occupation. Mais tout cela n'est évidemment pas sans conséquence, car au moment de l'assassinat de Julius Ritter, Missak, lui, est déjà repéré par les renseignements généraux. Fruit d'une collaboration voulue et décomplexée, c'est bien la police française qui se charge de la traque et de l'arrestation des FTP MOI de la région parisienne. Ce sont les brigades spéciales qui s'attellent à la mise en place d'une technique typiquement française et que les Allemands ne connaissent et ne maîtrisent pas, la filature. Pendant la Seconde Guerre mondiale, et plus que jamais en 1943, la préfecture de Paris est de loin la plus puissante de France. Comme partout dans le pays occupé, son action est aussi renforcée par les accords Bousquet-Auberg, permettant ainsi la traque des résistants. Cette préfecture est alors composée de trois grands services, la police municipale, la police judiciaire et les renseignements généraux. Dans cette dernière branche est créée en 1941, une brigade spéciale chargée de traquer les résistants, ou plutôt les terroristes et ennemis de l'intérieur, pour reprendre le langage collaborationniste de l'époque. De janvier 42 à l'été 44, ces policiers idéologiquement marqués procéderont à l'arrestation de pas moins de 1600 personnes, des communistes pour la plupart. Au début de l'année 1942, la brigade spéciale est scindée en deux services, la BS1 et la BS2. La première est chargée de lutter contre les actions de propagande. Elle est dirigée par le commissaire Fernand David. La seconde lutte contre les actions terroristes. C'est essentiellement cette seconde brigade qui se charge des filatures les plus méthodiques et impitoyables contre les FTP MOI de la région parisienne, sous la direction du commissaire René Enoch. Il est évident que le combat s'annonce d'ores et déjà déséquilibré. Outre les importants moyens déployés, les brigades spéciales rassemblent près de 200 hommes. Rappelons qu'à l'été 43, les FTP MOI ne dépassent pas les 70 membres et que ceux-là sont bien souvent très jeunes et peu expérimentés à la vie clandestine et au combat. L'efficacité des filatures de la police française n'est plus à prouver. En quelques mois, tous les combattants sont non seulement repérés, mais aussi identifiés et leurs planques localisées. Pour ce qui est de Missak Manouchian, il est en réalité déjà repéré et même identifié avant même de prendre la direction du réseau de lutte armée. Le 23 mars 1943, une première filature, débutée au début du mois de février, permet de faire tomber le réseau des imprimeurs, menant alors un précieux travail de propagande. Mais elle débouche aussi vers la chute du groupe de jeunes MOI de Henri Krasucki. Âgé de 17 ans seulement, il sera déporté. Une deuxième filature débute au cours du mois d'avril suivant, et le 2 juillet, c'est au tour du groupe de langue juive et du deuxième détachement de tomber. Le 16 novembre 1943, Missak Manouchian et Joseph Epstein, juifs polonais qui dirigent l'ensemble des FTP de la région parisienne, doivent se retrouver dans une commune située au sud de Paris, à Évry-Petit-Bourg. Conclusion d'une troisième et dernière filature, les deux hommes sont arrêtés par la police. Très rapidement, c'est donc celui qu'on appelle aujourd'hui le groupe Manouchian qui tombe. En quelques jours, des militants, hommes et femmes, sont arrêtés par dizaines et les planques sont fouillées. Certains, cependant, parviennent à échapper à cette ultime vague d'arrestations. C'est par exemple le cas de Méliné, qui, durant plusieurs mois, sera caché chez des militants ou des sympathisants, et notamment chez les Aznavourians, parents d'Aïda et de celui qui deviendra le célèbre Charles Aznavour.
Mis à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes dans une pièce sans aucune vue extérieure et sans aucune nouvelle de son mari, Mélinée sombre peu à peu dans la dépression. Néanmoins, et jusqu'à la fin de la guerre, elle poursuivra son engagement au sein d'une autre organisation, celle du Front National Arménien. Sa mission première, retourner les soldats de la Légion arménienne recrutés par les Allemands parmi les milliers de prisonniers de guerre soviétiques. Lors des fouilles, la police tombe inévitablement sur bon nombre de documents compromettants comme des tracts et des brochures de propagande, mais aussi et surtout des rapports d'activité, des armes et des explosifs. Dans l'appartement d'Olga Bansik, situé au numéro 3 de la rue Andrieux, on y aurait notamment découvert pas moins de 13 grenades, 3 pistolets, 3 revolvers, 60 bombes ou encore une boîte d'explosifs. Ces découvertes vont alors longuement alimenter, jusqu'au procès et même au-delà, la presse et la propagande collaborationniste. Après une période d'interrogatoire musclé marquée par la torture, la police française rédige un rapport complet sur l'organisation et sur les actes des FTP-MOI de la région parisienne. Le groupe Manouchian est ensuite offert aux autorités allemandes. Un procès doit ainsi avoir lieu et il se tiendra à Paris du 15 au 18 février 1944 à l'hôtel Continental. Le jugement, bien entendu, est sans aucun doute décidé à l'avance. Si les Allemands prévoient dans un premier temps de couvrir l'événement afin de le rendre public, c'est finalement à huis clos que se déroule ce dernier. Seuls quelques journalistes collaborationnistes obtiennent une accréditation. Les faits, cependant, ne seront partagés dans les actualités que plus tardivement, après l'exécution des sentences. Nous avons combattu pour la France, pour sa libération. Vous avez hérité de la nationalité française. Nous, nous l'avons mérité. Tels sont les mots qu'aurait lâché Misak Manouchian aux collaborateurs français présents au milieu d'Allemands venus en nombre. Car sans surprise aucune, le verdict de cette véritable parodie de justice est sans appel. Sur les 24 accusés, 23 sont condamnés à mort. Un seul est relaxé et renvoyé à la justice française. Pour le reste, tous seront fusillés le 21 février 1944 dans la clairière du Mont Valérien, à l'exception d'Olga Bansik. En effet, les Allemands s'interdisent d'exécuter des femmes sur le sol français. Olga sera alors déportée en Allemagne, jusqu'à Stuttgart, et guillotinée le 10 mai suivant, jour de son 32e anniversaire. Leur mise à mort, Misak et ses compagnons d'armes la prennent à la prison de Fresnes, au matin même de ce 21 février. Dans le fourgon qui doit les conduire jusqu'au Mont Valérien, l'aumônier allemand, Franz Stock, raconte dans son journal que les condamnés ont crié leur rejet des nazis, mais surtout leur amour pour le peuple allemand. Dans la clairière du Mont Valérien, les premières salves résonnent à 15h22. 4 par 4, les membres du groupe Manouchian se présentent devant leur bourreau allemand, jusqu'à 15h56, heure à laquelle sont tirées les dernières balles. Sur les hauteurs de l'ancien fort, un homme photographie clandestinement quelques fragments de la scène, capturant les derniers instants de ces vies qui déjà ne sont plus anonymes. Clemens Rüther, sous-officier de la gendarmerie allemande et anti-nazi, était chargé d'assurer la sécurité autour des différentes étapes du jugement jusqu'à l'exécution des condamnés. Ces photographies, restées secrètes et au nombre de 3, il les rendra publiques en 1985 en les transmettant, peu avant sa mort, à un comité militant pour un rapprochement franco-allemand. Néanmoins, et pour l'heure, les Allemands décident de faire de ces condamnés une véritable arme de propagande antisémite, xénophobe et anticommuniste. Pourtant, et selon les renseignements généraux, cette propagande d'envergure provoque exactement l'inverse de l'effet escompté, suscitant davantage de réactions de sympathie plutôt que de peur. Du 15 au 20 février, une affiche rouge est placardée à plusieurs milliers d'exemplaires dans les rues de Paris, mais également en province. Des libérateurs, la libération par l'armée du crime,
Tels sont les quelques mots que l'on peut lire entre les 10 portraits présentés en médaillon. Parmi ceux-là, 7 d'entre eux sont juifs et présentés ainsi. On y trouve aussi un Espagnol et un Italien désignés communistes. Enfin, tout en bas, figure le portrait de Misak Manouchian avec la description suivante. Arménien, chef de bande, 56 attentats, 150 morts, 600 blessés. Le but de cette propagande, dénoncer la présence des étrangers et un pseudo-complot judéo-bolchevique. Aucune des photographies utilisées pour la réalisation de cette affiche n'a été sélectionnée par hasard. D'ailleurs, les Allemands pouvaient présenter jusqu'à 24 portraits, ceux des accusés. Ils n'en présentent pourtant que 10. Pourquoi ? Parce que ces portraits doivent coller à l'image du dangereux criminel. Leurs visages doivent être inquiétants et leurs noms, profondément d'ailleurs. C'est effectivement pour ces raisons que, malgré son palmarès, Olga Bansik n'y figure pas. Elle est bien trop belle. Joseph Epstein pourrait y être lui aussi, mais il est blond aux yeux bleus. Son physique se rapproche de fait bien trop de l'idéal arien prôné par les nazis. Mais c'est justement cette affiche rouge qui devait justifier le sort infligé aux terroristes étrangers qui va finalement être à l'origine de la construction d'une véritable mémoire française, celle du groupe Manouchian. Si l'on ne peut naturellement douter du soutien de la clandestine presse communiste, celle de Radio Londres est également à souligner. Ce fut une foule pleine d'admiration silencieuse qui regardait cette affiche. Le lendemain matin, une de ces affiches avait été rayée et, avec un coup de craie, le mot suivant inscrit. Martyr. Voici l'hommage que Paris rend à ceux qui n'ont jamais cessé de lutter pour la liberté. C'est une évidence. Malgré les efforts significatifs de la presse collaborationniste, de l'occupant et de l'État français, les membres du groupe Manouchian sont des héros de l'ombre, désormais mis en lumière, et que la France n'oubliera pas. La mémoire du groupe Manouchian est née au moment de l'apparition de l'affiche rouge. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les premières commémorations y sont organisées. Rapidement, cette histoire parisienne prend une ampleur nationale et même internationale, notamment grâce à Méliné Manouchian et à quelques œuvres qui traverseront incontestablement le temps. C'est le 25 février 1945 qu'a lieu la première commémoration de l'exécution du groupe Manouchian. Ce jour-là, au cimetière d'Ivry, il est certes à noter la présence de Méliné et d'anciens combattants, mais il est indispensable de souligner celle de bon nombre de Français et d'immigrés. En 1946, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et alors qu'elle vient d'obtenir la nationalité française, Méliné quitte la France pour s'installer en Arménie soviétique. Elle s'affaire à la rédaction d'une thèse dédiée à la presse arménienne, fait éditer les poèmes de Misak, tout en témoignant également de son engagement dans la résistance. Ne parvenant pas à s'acclimater à la société et plus globalement à la vie soviétique, sans doute Méliné est-elle devenue trop française, c'est en 1964 qu'elle décide de rentrer dans son pays, autrefois de préférence, désormais d'appartenance. En 1974, elle publie ses mémoires dont l'œuvre est intitulée « Manouchian », en hommage à son défunt mari. Retraçant sa vie aux côtés de Misak, elle témoigne de leur vie de survivants du génocide des Arméniens, jusqu'à leur indéfectible dévouement à la cause de la liberté et à la lutte contre l'oppression. Un véritable et indispensable hommage au sacrifice ultime de ces étrangers, morts pour la France. Méliné est décédée le 6 décembre 1989 à l'âge de 76 ans. Elle ne s'est jamais remariée et n'a jamais eu d'enfant. C'est véritablement dans les années 50 que l'histoire du groupe Manouchian s'est inscrite dans la mémoire collective nationale. En 1951, Paul Éluard publie un hommage marquant à travers son poème « Légion ». Si j'ai le droit de dire en français aujourd'hui « ma peine et mon espoir, ma colère et ma joie », si rien ne s'est voilé définitivement de notre rêve immense, de notre sagesse, c'est que des étrangers, comme on les nomme encore, croyaient à la justice ici-bas et concrète.
Ils avaient dans leur sang le sang de leurs semblables. Ces étrangers savaient quelle était leur patrie. La liberté d'un peuple oriente tous les peuples. Un innocent offert enchaîne tous les hommes. Et qui se refuse à son cœur, c'est sa loi. Il faut vaincre le gouffre et vaincre la vermine. Ces étrangers d'ici qui choisirent le feu, leurs portraits sur les murs sont vivants pour toujours. Un soleil de mémoire éclaire leur beauté. Ils ont tué pour vivre, ils ont crié vengeance. Leur vie tuait la mort au cœur d'un miroir fixe. Leur seul vœu de justice a pour écho la vie. Et lorsqu'on n'entendra que cette voix sur terre, lorsqu'on ne tuera plus, ils seront bien vengés, et ce sera justice. Un premier poème qui en appelle un autre, en 1955, celui de Louis Aragon, et qui sera merveilleusement mis en musique et chanté par Léo Ferré. Strophe pour se souvenir. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes, la mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence, les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Quelques instants avant sa mise à mort, Missak a écrit une dernière lettre à sa femme, Mélinée. Document poignant, cette lettre est probablement la pièce la plus touchante de tout ce qui constitue la mémoire Manouchian, mais aussi la plus révélatrice sur la personnalité de ce martyr. Certes, il s'agit d'un adieu. Certes, il s'agit d'un testament. Cette lettre, cependant, est aussi un message d'avenir pour hier comme pour aujourd'hui et qui s'adresse finalement à une audience bien plus vaste que celle du cercle intime de l'auteur. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée. Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. On va être fusillé cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire ? Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de la libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité avec la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. J'ai un regret profond de ne t'avoir rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant pour mon honneur et pour accomplir ma dernière volonté. Marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires, je les lègue à toi et à ta sœur et pour mes neveux. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de la libération. Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs, si possible, à mes parents en Arménie. Je mourrai avec 23 camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille, car, personnellement, je n'ai fait de mal à personne, et si je l'ai fait, je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant au soleil et à la belle nature que j'ai tant aimée que je dirai adieu. À la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes chers amis, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus.
Je t'embrasse bien fort ainsi que ta sœur et tous les amis que je connaisse de loin ou de près. Je vous serre tous sur mon cœur. Adieu, ton ami, ton camarade, ton mari. Manouchian, Michel. Merci d'avoir été les oreilles attentives et passionnées de cette histoire. Retrouvez plus de contenu sur www.fortitude-ww2.fr et sur nos réseaux sociaux.